Ok, bonsoir. Alors aujourd'hui, on se retrouve sur Zelda Breath of the Wild avec Jean-Mi. Oui, salut, je salut, suis salut, salut. Alika. On se retrouve, rien ne va plus, pour l'épreuve de l'épée. Troisième niveau, parce qu'on rigole pas. Alors Jean-Mi a fait le premier. Voilà, vous allez voir mon niveau de bogossitude et d'énervement, mais à un niveau. J'ai jamais atteint ça. Monsieur a fait le premier, j'ai fait le deuxième. Parce que ça m'a gavé le deuxième. Parce que c'est quand même. Hein, chose sérieuse. Donc là, on va s'attaquer au troisième niveau qui promet d'être long, difficile. Oh, moi, j'en parle pas, moi. D'éprouver pas en parler. Notre patience. Voilà. Donc nous voilà, nous sommes dans la forêt Korogu. Voilà, avec une belle vue. Hein. Hop, 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 hop. Alors, petit conseil stratégique quand même, parce qu'on ne garde rien évidemment dans ces épreuves de l'épée, si ce n'est ce qu'on a mangé avant. Donc, si je puis me permettre, Jean-Mi, je te conseille pour avoir vu ce que c'était le tout premier niveau. Ouais. De manger, un exomile pour que je me détende. Ouais, très bien, très bien. Il n'a pas encore d'exomile. Bon, mange un truc anti-électricité. Pourquoi électricité? Parce que dans le premier niveau, c'est là où je suis morte quand j'ai essayé de les faire. Il pleut tout le temps. Donc du coup, qui dit pluie, dit foudre. Et du coup, c'est... Eh bah ouais, il y a qui des fautes, dit on va donc, prendre un petit chutney de fruits électro qui va nous tenir 10 minutes 30. Allez, plus on y va. Cœurs. Hop. Donc on a deux cœurs en plus. Et on peut y aller. Oui, donc les cœurs que vous mangez, forcément les cœurs en plus restent. C'est pratique. Donc on épreuve y va sur extrême. Les. Voilà. Allez. Qui extrêmement énerve les nerfs. On va se marrer. Allez, on passe. Donc patience, si je peux me permettre. Ouais. Mon conseil, c'est de ne pas y aller en bourrin, c'est surtout pas faire ça. Je ne suis malheureusement pas du tout dans la stratégie. J'aime le mode bourrin dans tous les jeux. Petit rappel, voilà. Du coup, on avait sur la première épreuve 10 épreuves avec une pause au milieu. La deuxième, moi j'en ai eu 17 avec deux pauses au milieu. D'accord. Donc là, je ne sais pas combien on en aura. Regarde le terrain et fais ce que tu peux. Il court déjà. Il me court déjà aux fesses. Essaye de te mettre en hauteur si t'as la possibilité parce que ça aide quand même pas mal. T'as des épées, mais évidemment, l'électricité, la foudre. Voilà. Essaye de garder tes cœurs au maximum. Ah, t'as une arme, génial. Ah. Ok. Ok, on va être tranquille, on ramasse les armes. Non, surtout casse les têtes vite parce qu'on te tire dessus. C'est un peu avec les flèches. Ok. Lui là avec son arc, t'en auras bien besoin franchement. On espère. Si on me laisse passer. Surtout, ouais. Fais attention de garder de prendre le moins de dégâts possible parce que. Je sens que je vais pas tenir longtemps dans les épreuves. Bah là ils sont tous morts. Ok. Alors avant de partir, casse tout ce que tu peux pour récupérer tout ce que tu peux évidemment. Ça marche. Ce qui est cool aussi c'est qu'on garde quand même nos pouvoirs. J'aurais pu paralyser ou balancer des bombes en fait. Quand on y réfléchit c'est plus intelligent. Tout à fait. Alors l'espadon, ouais. On va voir si après j'ai plus de... Ouais, je sais pas combien de temps j'ai l'électricité. Surtout, ne meurs pas avec une bombe bêtement, s'il te plaît. Non, non, mais ça n'arrivera pas. Je suis trop bon. Je suis... Ok, d'accord. La foudre, calmez-vous. Très bien. Qu'on a d'autres, il y a des flèches là-bas aussi, regarde, à gauche. Est-ce qu'on a autre chose à ramasser, des flèches? Non, de la... non, mais non. Il y a de la hallebarde. Donc en fait, ce que je vais faire, c'est que si on garde la foudre, je vais les balancer directement dans la tête des gens. Ça, c'est une bonne idée. Voilà. C'est une très bonne idée. Mon mode bourrin. Alors, on passe à la deuxième étape. Je ne me suis pas encore énervé. Sinon, vous allez découvrir Jean-Mi quand je pète un plomb. Alors, voilà, ça commence. On a de quoi se mettre en hauteur, donc moi je te conseillerais si tu peux de... Attention à l'électricité. Ah, mais t'as toujours ton anti-électricité, donc ça c'est chouette. Oui, ça dure encore 10 minutes. Je t'ai bien conseillé. Ouais, bien joué pour le coup. Tu peux peut-être te permettre de pas user tes flèches sur eux parce qu'ils volent et c'est compliqué de les avoir en one shot. Oui. Et garde tes flèches. J'ai failli prendre la foudre. Est-ce que Jean-Mi attire la foudre complètement? Voilà, truc qu'il fallait pas faire, c'est pour ma tête. Boum! Pourquoi tu t'es pris l'électricité? Parce que quelqu'un me balance de l'électricité dessus. Tu t'as lâché ta batte, hein, je vais te mettre une. Ah mince! Vu que tu t'es pris la foudre. Et mon bouclier. Voilà. Enfin, ta batte, ton bras. Ouais, voilà, mon bas bras. T'as une, mon bas de bras. Flèche que tu peux le bas de bras. Je pense que Batman pourra avoir. Ah, c'est eux qui tirent! Oui, fais attention à tes points de vie parce que tu les perds très vite. Ah, mais je comprends pas pourquoi j'en prends encore là. Parce que c'est la chauve-souris qui t'en a donné, en fait. Et t'avais des flèches derrière avant d'aller là. T'as récupéré. Heureusement que c'est pas timé.
Non, mais manquerait plus que hein, ça. Parce que là, je vais mourir. Où t'as vu des flèches, toi? Bah, t'es passé devant. Bien, à bien. À côté de l'arbre. Mais tu m'écoutais pas. À bah gauche. Non. Voilà, ça brille, tu vois? Non, c'était une luciole. À droite. Voilà. Là. Ah, ah ouais, il y a une flèche planquée okay. derrière un gros arbre. On va pas exagérer. Donc alors, non. Là, est-ce qu'on peut monter pour voir un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur? D'accord. Donc, il y a quelque chose ici. C'est cool. Ça va bien m'aider pour la suite si j'arrive à monter. On y va. Donc, balancer. Ah. Bon, ok. À mon avis, c'est des trucs qui sortent de terre. Non. C'est une autre technique, hein. Ouais, forcément. Voilà, c'était des trucs qui sortaient de terre. Attention, toi. Les têtes. Hop, hop, hop. Ça va, c'est assez... C'est pas très compliqué. Si tu tues les têtes, il en reste deux. Oh là là, il a du feu. Mais il a rien du tout, lui. Hop, il est mort. Allez, hop, hop, hop. Ça y est. On rentre. Et de deux. Oui, bah, je vous le dis tout de suite, ça va. Si je passe le niveau 5, je suis bon. Alors, vous me verrez dans des jeux, mais bourrin, mais je suis bon, je suis bon. Ramasse tout ce que tu peux avant d'aller de là. De fort, quoi. Bon, je pense que j'ai à peu près... Non, j'ai pas tout ramassé du tout, parce qu'il y a... De la bouffe. De la nourriture. D'ailleurs, je vais me remonter la vie tout de suite avec... Oui, parce que de toute façon, elle est grillée, donc tu pourras pas la cuisiner. Ok, on a passé deux niveaux, tout va bien pour l'instant. Il nous reste encore 5 minutes d'antiélectricité qui nous a servi absolument à rien. Rien du tout. Alors, moi, je vais manger de la viande là, et de la viande là, vas-y, et de la viande là. C'est déjà pas mal. Allez, on y va. Ok, très bien. On est bien, on est bien, on est bien. Il est bon. Il est très très bon. Il est bon. Oh, il est beau, il est bon. Il est bon. Voilà là. Voilà. Allez. Qu'est-ce qu'on va avoir pour le troisième niveau? En fait, à chaque fois que vous allez, on a un écran noir, on se dit, mais qu'est-ce que ça va être encore comme bordel? Alors là, je vois qu'on peut. Bon, déjà, il y a un coffre. Il y a un truc. Il y a des trucs qui explosent. Alors, moi, je dirais flèche dans les trucs qui explosent. Ouais, direct, on va mettre une jolie flèche là-dedans. Si j'arrive à la voir. Putain, le mec, il gâche pas ses flèches pour rien. Bim. Boah. Voilà. Je crois qu'il y en a un deuxième derrière. Non, je crois qu'ils ont cassé les deux en même temps. Ok. Alors, moi, je vois que tu peux monter en hauteur. Non, regarde, il y en a un autre, je l'ai vu. Ah ouais. Alors, on va tenter le deuxième aussi. Ce qui m'étonne, c'est que je vois pas trop d'ennemis. C'est un peu bizarre. T'es tiré dans quoi, là? Dans les escaliers. Ok. Mais tu peux te cacher normalement. Oui, j'ai vu un truc de feu sur le côté. C'était quoi? Ah, c'est la foudre. Bref. La foudre à taper. Donc là, je vais aller récupérer quand même la flèche que j'ai plantée. Pour l'instant, pas d'ennemis. Hop là. Ouais, ben bon, c'est pourquoi il n'y a pas d'ennemis. Vous en faites pas, va. Les ennemis, ils sont là-haut. Oui, mais on les voit pas. Mais ben, parce qu'ils vont pousser. Allez. 100 balles. 100 balles. Il y a plein de coffres. Il y a plein de coffres. C'est trop bien. Ça veut dire que quand on touche le coffre... Quand je vois les coffres, je me dis, mon Dieu, vas-y, prends tout ce que tu peux, parce qu'on sait pas... Non, mais moi, si, il y en a un qui vient de sortir de terre, ça y est, je l'ai vu. Voilà. Bouclier du chevalier, oui, mais il pleut. Ah, flèche? Non. Pas flèche? Mais non, ils sont grands. Ah là là, tu me fais peur quand tu... Je fais des AOE. Oh, mais c'est trop bien ce que tu viens de faire. Hop, un. J'avais peur, mais j'ai eu tort. Ah, il te lance sa tête dessus, l'autre, dis donc. Ils sont combien, là? Beaucoup. Alors, attention... Éloigne-toi parce que les choses de manière bourrine, c'est pas une bonne idée. Essaye d'en isoler un. Tu vas perdre. Bah, j'essaie. Je cours. Ah, mais t'as des bombes. Mets-toi en hauteur et lance-toi des bombes. Dans le tas. Allez, hop. Oh, ça roule pas. T'as pas pris celle qui roule. Ah, allez. Lui, il perd. Non, même pas. Maman. Attention. Oh putain. Il a encore sa tête. Il a perdu. Ouais, c'est pas grave, c'est pas grave. On y va au bras. Ah. Mais arrêtez de piquer la tête de vos collègues. Sérieusement, vous me saoulez. Voilà, boum, allez, j'en mis. Ah, y'en a un qui se reconstruit, c'est pas fini. Elle est où la tête? À la recherche de la tête. À la recherche de la tête perdue. Mais elle est où la tête? L'autre il se balade tranquille, je peux peut-être, tout va bien. On va récupérer les gros bras en fait, ça sera pratique déjà. Mais elle est où la tête de l'autre? Allez. C'est parce qu'on les a pas... Oh, y'a une super batte, vas-y. Ouais, mais on va taper au bras, c'est plus drôle, regarde. Pan. Ouais, alors. Comme ça, on récupère leurs bras. Ils ne peuvent plus taper après. Bah oui. Ah, le voilà. Tu m'étonnes, voilà. Vite la tête, bim. Ah. Ok. Ok, donc ils remontent encore. Donc il y a un autre problème. C'est qu'il y en a un autre. Il y en a un autre. Je sais pas où ils vont. C'est parce qu'on les a pas, il y en a un autre qui va popper. Il y a un coffre là.
Oui, je l'ai vu. On va les casser les tonneaux quand même, tranquille. Ouais. La flèche, très bien. Et le coffre, je pense qu'il faut utiliser le pouvoir magnétique pour l'avoir sûr. Ouais, on va aller chercher au magnétisme. Hein. En fait, je pense... C'est dingue parce que tu les laisses se débrouiller entre eux en bas, tu sais. Excusez-moi, je vais prendre mon coffre. Débrouillez-vous entre vous. On va laisser frapper la foudre, hein, tranquille. Ah, mais c'est bâtard, ça. Alors, hé, j'ai un coffre et bim, la foudre. Qu'est-ce qu'on a? Un arc. On peut toujours pas utiliser, c'est frustrant. Ah, tu veux l'envoyer dans la tête des gens? C'est pas l'envoyer dans la tête des gens. Ils sont où? Et ils sont rentrés sous terre. En fait, je pense qu'il en manque un qui s'est pas levé. Et du coup... C'est très bizarre. Bah écoute, oui, je sais pas. Il y en a un qui s'est pas levé. Il y a des pics. Moi, Romain qui saute sur des pics. Jean-Mi, à l'ambiance. Allez. Alors, sérieusement... si c'est pour aller courir dans les fougères, le cul nu. Écoute, jusque-là, je suis plutôt. Surprise que tu je non, ne mais... m'emporte pas. Non, très honnêtement, le niveau 2 était vachement plus dur dès le début, je trouve. Et là, ça va. Si tu vas tranquille, les ennemis sont pas dingues. C'est juste qu'il faut. Il y en a peut-être beaucoup, Romain. Non, non, c'est bon, c'était le dernier. Ouais, c'était musique. Le dernier. Non, tout a explosé, donc c'était la dernière tête. Je vais en profiter pour récupérer son bras, j'adore attends, dire ça. Il y a un truc qui se passe prendre la foudre, là, éloigne-toi. Ouais, c'est celui que j'ai balancé. Ouais, mais qu'on soit pas à côté. Y a-t-il des flèches à récupérer parfois? Non. Non, je vais... Ah si, y a un truc qui brille là sous le... Là. C'est ma flèche de tout à l'heure. Non, mais faut être radin, hein. Franchement, là, de ce niveau, y a pas de petite économie. C'est allez. Un truc, tes flèches, t'en auras peut-être grandement besoin. Donc niveau 4? Oui, je veux, mais je ne sais pas, on va niveau voir. Niveau 4. Alors... J'ai comme une... Vous savez, ce léger frisson qui annonce clairement qu'à partir de là, faut arrêter d'être bourrin. Alors moi, je vois des gens à cheval, je vois que tu peux te mettre en hauteur. À cheval, c'est un peu relou, mais il y en a plein. Tu te sens? Ah ouais, pourquoi pas. Mais il y en a beaucoup quand même. C'était une bonne idée, mais il y en a quand même beaucoup. Ah, quoi que ta technique. Putain. Ouh, tu te mets à cheval, quoi, direct. Je sais pas si c'est terrible hein, pour les battre. Non hein. Vas-y, je te laisse faire ta technique. Quoique. C'est pas mal quoique, ce que tu fais là. Quoique. Allez, surtout fais gaffe à pas perdre de cœur. Ouais, c'est ouais. Le plus important parce que pour l'instant, c'est un peu compliqué. Mais c'est pas mal ce que tu fais en fait. Si t'as pas d'archer. Ah, c'est toi qui l'archer en fait. Okay. Y'a pas d'autre archer parce que ça c'est relou. Tu peux lui marcher dessus. Non, ouais. Faut lui casser la tête tout de suite. Très bien. Viens là toi. Hey, mais pas si dur en fait. Oh là là, il a voulu te faire ce que tu lui fais. Non, monsieur. Non, non, non. Vas-y, roule-lui dessus. Enfin, galope-lui dessus, plutôt. Hop là, une flèche de... Putain, mais quel talent. Alors, le talent, je suis pas sûr. Attends. Pleine tête. Excuse-moi. Oui, non, pour une fois. Oh, et puis t'esquives. Alors, l'archer... Et bim ouais. Mais il y en a plein qui pop. Soyons violents. Soyons techniques. C'est de pas trop perdre tes cœurs, là. Ouais, baseball. C'est bien. Ah non, tu t'en sens vraiment bien. Franchement. Allez, le cheval de Dados. Le Dadados. C'est un Dadados. Boum. C'est bien, il a voulu te tirer dessus. C'est un Dadados. Ça veut dire qu'il en reste encore quelque part, oui. C'était mal joué. Tu t'as pas vu, tu es bien placé. Bah, je t'ai mis une flèche. Bah oui, j'avoue. Si c'était parce que c'était pendant l'animation, du coup, ton arc s'est cassé. Pas grave. Parce que quand on est un fou... Bim. C'est le je dernier. Je pense que c'est le dernier, ouais. Ah, mais non, non, mais il va pas m'avoir 15 fois, là. Possible. Mais attends, c'est bon. Mais meurs. C'est bon, on l'a eu. Alors là, on va faire le tour parce que t'as lancé des flèches, t'as lancé plein de choses. Je pense qu'on a plein de trucs à récupérer avant d'aller au puis niveau suivant. Puis il y a aussi des trucs qui doivent être cachés. Donc là, on va aller au cinquième niveau. Peut-être qu'on aura... Je sais pas où va être la pose. Coffre caché. La pose sera peut-être... Ah, j'avais bien vu un fruit flotter. Alors,
C'est qu'on voit rien que cette pluie de merde. Cette pluie de marde, oui. Cette pluie de marde. Alors, on passe au suivant. Niveau 5. Alors, est-ce pour l'instant, il n'y a pas le, l'inter-niveau, là. L'inter-niveau, non, bah non, ça dépend du nombre de trucs, tu vois. Ouh. Et voilà pourquoi on nous après donne lui. Des flèches. Après lui, ce sera l'inter-niveau. Alors, est-ce que tu peux lui lancer... Qu'est-ce qu'il fait? Oh, il a une épée, il a des trucs sur lui de ouf. Ouh là là. Va-t'en cours, fuis pour ta vie. Non, mais non. Alors là, prends une très bonne arme pour le taper dessus. Pas un os. Bah voilà, quoi, je veux dire... T'as le truc... T'avais le... Il me semble que le truc lézard, c'était mieux. Non? Et si, en fait, on faisait ça, ça, et on prenait les flèches électriques? Attention que t'es électrique, toi, aussi. Est-ce qu'il lance... Oh, mais il te lance ses côtes! Est-ce que cet homme... Ok, qu'est-ce qui va pas? Alors, j'ai quelque chose qui... Le 24, le truc lézard, tu vois, il est mieux. Oui, mais il y a de l'électricité toujours. Oui, si jamais il tombe, c'est ça que je veux dire. Oh, vite, fuis. Oui, attends. là, je sens que je vais douiller. Maman. Éloigne-toi. Ah, j'ai plus d'arc. Bon. Si t'en as, mais un métallique. Hop, on y va. Arc, arc. Non, j'ai pas qu'un métallique. Est-ce que t'as moyen de monter sur la grotte? Parce qu'il nous donne, un abri, je pense que c'est pas pour rien. Là-bas, tu vois, il y a un abri. Non, mais moi, je suis un homme... Ouh, bah... Il te lance tout son squelette, quoi. Il repousse ou... Oulala, 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 oulala. Hop là. Oh, remarque. Oh, attention. Oh, putain. Ah, bah je suis mort. Oh, mince. Voilà, c'est fait. En un coup, tranquille. Non. Je sens que ça... On va passer la manette à Lika. Hein. Ah non, fallait y aller doucement. Bon, bah je vais retourner. Mais t'étais bon jusque-là. Ah, bon de rien du tout. Ok, bon. Bon de rien du tout. Voilà, hein. Je suis mort sur un coup de fesse. Le respect s'impose tout de suite. Écrasé par un coccyx. C'était magnifique, c'était magnifique. Honnêtement, c'est un coup avoir une pneumonie hein, quand on court tout nu dans la pluie comme ça. Putain, toi tu m'énerves direct. Non, mes ennemis. Dégage. Ah non, oh, alors ça c'était super débile. Je panique. Oh putain. Oh mon dieu. Va-t'en. Dégage. Oh putain, ça y est. Bon, ramasse toutes les armes. Ouais, 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 je vais y aller. C'est vraiment la stratégie. Là, c'est le niveau de... Je vais aller les faire tout de suite. Tout de suite. Voilà, de 1. Putain. Oh, fuck. J'ai laissé ma batte. J'ai ma batte. Aïe. Oh, ça va mal. Ça va mal, ça va mal, ça va mal. Ah, oh, misère. Mais lâche-moi. Mais laisse-moi tranquille. Prends une lampe, prends une lampe. Putain. Putain. Oh là là, ça sent la merde. Là, c'est ouh là là, ouh là là. Ouh là là, ça sent la merde. Il s'est pris la foudre ah, à oui, ta moi place. Avec. Moi avec. Moi avec. Voilà. Je l'ai pas laissé griller, ma venaison divine. Bah oui. Quelle loose. Pardon. La grosse panique, mais c'est quoi? Qu'est-ce que j'ai? C'est ton hallebarde. Ah d'accord. Enfin, c'est ton... Ah putain, vous faites pas peur comme ça, vous êtes fous. Allez. Allez, on va essayer de pas paniquer. Je vais piquer le cheval du premier venu. Ah non, il y a encore un autre truc avant. Ah bah oui, oui, ah, c'était que le 2. Oh, j'avais oublié. Bon. J'avais oublié qu'il y avait celui-là avant. C'est vrai que quand on le refait plusieurs fois maintenant... Hé, hey, tu vas où, sans déconner? C'est la faute du jeu. Il aurait pas dû bouger l'ennemi. Mais grave, arrête de rouler partout. Lâche... Oh, merde. Oh, putain, il me tire dessus, l'autre. Mais non, tu me tires pas dessus, mais tu... Oui, je sais, faut pas y aller bon. Je suis désolée. Alors, prends la batte, ouais, de 12. Voilà. C'est gagné. Ouh, bon, eh ben, dis donc, coffre. Pas si dur finalement celui-là, hein. Non. Oh là là, ils m'ont tous vu. Pourquoi tu balances pas une bombe? Parce que j'y ai pas pensé. Donne-moi ton cheval. Maintenant. Allez, c'est parti. Attends, oh putain. Ce qu'il fallait pas faire, je l'ai fait, quoi, les amis. Vous vous rendez compte? Je suis mal. Ah, mais arrête de monter à l'arbre.
J'adore Alika qui panique dans un moment où faut du self-control. C'est A. Ah oh, putain, mais saute pas de ton cheval. Monte, monte, putain, putain. Bon, tant pis pour le cheval. Oh, gars. Comment je vais faire? Ils me saoulent tous, putain, tu t'en es sorti tellement bien, toi, à ce niveau. Oh, ils me tirent tous dessus, mais dégage, toi. Je vais faire un par un, hein, écoute. C'est la panique, la panique la submerge, casse les têtes. Oui. Casse les têtes, parce que sinon, ils reviennent tous. Je ne suis pas devant moi. Ils sont pas si agressifs que ça, en fait. Hein. Non, il m'en reste encore. Oh, putain. Oh, damn. Non, tu rabilles pas avec ta tête. Et vous êtes tous morts ou pas? Ouais, ouais, moi aussi je t'ai vu, moi aussi je t'attends, vas-y. Putain, mais tu tires à l'arc, toi. Tiens, tu te caches. Ok, next. Il est où? Oui, dans les jeux vidéo, une femme aussi est vulgaire. Hein. Allez oh. Mais bâtard, mais j'avais pas vu, pardon. Frust revient, mais je vais jamais m'en sortir avec Inox. T'as pas d'arme, hein. Non. Non. Elle est où mon arme? Elle est où mon arme? Oui, non, mais faut-moi la paix, toi. Putain, mais tire pas dessus, vas-y. Tu te caches, tu crois que je t'ai pas vu? Non. Ça y est, c'est ça, j'ai fini. Eh ben. Bon, tu penses à casser les caisses? Je vais casser les caisses et malheureusement, je vais manger direct parce que je vais pas m'en sortir. Bon, je vais y aller, je vais essayer de pas paniquer. Salut! Oh my god! Bah, prends-les en photo aussi. Non! Un petit peu. Je crois en toi. Moi aussi. Il court vite ce con. Placement caméra meilleur de l'année pour voir. Oh, allez, une petite côte qui vole. Allez, viens vers moi. Boum. Il est coincé, profite-en. Non, non, mais il fallait tirer dans l'œil. Ah ouais, t'as raison. C'est pas très fair play hein, pour le jeu. Ah non, mais... Ah, j'ai pas la bonne... Ah si. Mets des oh, flèches électriques. J'ai ça, attends. Le fil. Casse-toi, 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 putain. Pardon. La panique, Alika, casse-toi, casse-toi, allez, bouge. Ah, mais non, il est carrément bloqué, c'est trop bien. Oui, allez. Oh, putain, trop bien. Reste bloqué, s'il te plaît. Reste bloqué. Ah, oh, c'est peut-être notre chance. Non, me lance pas ta putain de côte. Ouais, tape-le, l'œil. Tape l'œil, l'œil, l'œil. Le reste, on s'en fiche. Encore. Encore. Oui, oui, attends. Oh merde. C'est pas grave. Il s'est débloqué en plus. Raté. Ouais, là il va falloir... Essaye de faire le tour pour le rebloquer. Ouais. Putain, j'ai fait... Le stress. Ouais, ouais. C'est trop bon. Oh mon dieu. Oh désolé, mon dieu. J'espère vraiment que c'est le repos après parce que là je suis en stress. Oui, 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 oui. Je vais récupérer une manette trempée. Ah ouais, mais grave. C'est son œil, fonce. C'est ma chance. Encore un coup. Putain. Encore un coup. Le 24, ouais. T'es gagné. Ah, oh, je l'ai eu. Oh mon dieu. Attends, attends, attends. Oh, on a failli planter. Oh, même la console n'y croyait plus. Regarde, non, non, regarde, regarde avant de courir partout. Oui. Je vais surtout ranger mon arc parce que là, si je me prends la foudre, je vais être deg. Ah, regarde, on a failli partir. Ouais, la chance. C'est juste qu'il faut observer. Donne-moi un truc cool. Et après, tu cours, hein. Après, je cours. Allez, cours. Cours, Forest. Cours pour ta vie. Donc, toujours la leçon de ce petit opus, c'est... Pas de précipitation. Ouais, ouais, pas de violence, c'est les vacances. Je suis toute rouge, je suis désolée si je suis rouge, c'est pas la caméra, c'est vraiment moi. C'est le stress. Oh, non, elle bronze en même temps rouge. Grâce aux lumières qui sont là.
Il a. Je suis ultra rouge. Alors là, franchement, je m'en fiche, je prends des bonnes armes parce que... Non, prends le TDP avant le... Ouais. Tu vas prendre la foudre, on va moins rigoler, tu vas mourir. Dites-moi que c'est la pause, s'il vous plaît. C'est pas, non. Y a pas de pause, t'es en niveau extrême. Ah, ça c'est le truc qui fait plaisir. Oui. Et alors, par contre, attends, là je vais aller tout doucement parce qu'il y a des fées, et la dernière fois, je les fais fuir. Bah. Attends. Accroupis-toi. Tout, tout doucement. Le silence, même nous on fait pas de bruit pour pas effrayer la fée. Ah, c'est bon. Bah, y en a qu'une. C'est bon que... Ouais, mais dans l'autre dernier niveau, il y en a deux. Ah cool, il y a des trucs max. Il y a des poissons et tout. Prends les poissons au fond. Alors, va y avoir quoi en armes? Oh putain. Ouh, ça s'appuie sur ce qu'on va avoir après. Si on nous donne une tenue, on prend ça comment? Je crois qu'on en a fini avec la foudre, cependant. Oui, oui. Et ça, c'est déjà bien. Oh là là. Je oh, sens misère. Que ça va rigoler. Oh là, je dois mettre par contre, oui. Oh là 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 là, la misère, ça je m'en fiche. Alors, ok, on peut s'envoler, donc je vais aller m'envoler direct, je vais tout faire au vent. Mais direct. Oh là là. Envole-toi s'il te plaît. Mais tombe pas dans la lave, t'es ouf. Oh putain, merde, je suis un mauvais arc. Bah change, t'en as un acier. Mais oui, j'avais oublié. Très mauvaise idée ce que je suis... Mais c'est des... C'est des saligots quand même à Zelda. Donc là, bon. Là, c'est bon. Et je vais me prendre un bouclier maintenant que j'ai le droit. Alors, il est mort. C'est bon. J'en ai un. Un bloc. Oh putain, ça pue, ça pue, ça pue, ça pue, ça pue, ça pue. Tombe pas, s'il te plaît. Oulala, oulala. Comment je l'éteins, lui? Laisse-le essayer de t'attaquer, il va s'éteindre. D'accord. Laisse-le. Ah, vas-y, attaque-moi. Oh putain, il y en a plein. Ou une bombe, hein. Ok. Ok, non, c'est bien une bombe. Oh. Oh. Oui, attends. Maintenant. Oh, dommage. Poser. Oh, je l'emmène avec moi. Et viens. Boum. Il est mort. Ça marche très très bien les bombes. Ouais, mais tu récupères pas leur truc. Ils te donnent quelque chose. Oh, c'est pas grave. C'est le cadet de mes soucis. Voilà. Bon. La confiance règne. Donc là, on est parti dans une série sur le feu. Ok. Et là, je rigole, c'est la glace après. Non, on a l'air. Franchement, ils ont donné une tenue anti-feu. Bah, un plastron aurait été mieux voilà. Que le slip. Hein. Prochain, on a encore de l'air, ok. Comme ça, ah, par contre, t'as des super lézards machin non, là. On va y aller à l'air, on va y aller à l'air. C'est ce vas-y, fonce. Allez, monte. Et une fois, feu. Tu vas tomber. Tape-le, tape-le. Voilà, c'est fini. Quoi, il ne craint pas le feu? C'est fini. Bon, tant pis pour l'arme. Tu vas... C'est pas grave, tu perds un cœur. Non? Ah. Oh putain, j'ai eu tellement peur. J'ai cru qu'ils allaient... Eh ben, il est mort. J'ai cru qu'ils allaient me faire recommencer du début. J'ai trop peur. Mais c'est pas possible, qu'est-ce que j'ai fait? Imaginez le stress. Oh non, pas grand chose. C'est dégueulasse quand même. Donc là, c'est là où je vais aller à la fin. Allez. Ah oh, putain. Ça a fait mal. Oh, ça fait très mal. Donne-moi ton arc, donne-moi ton arc. Non. Pourquoi ne l'as-tu pas. Oui, envoyé dans la tête de l'autre parce que je n'y ai pas pensé. Pourquoi tu. Ouais, voilà. Tu auras pas poussé l'autre avec. On va faire. Ça marche. Plus haut. Plus bas donc. Boum. Bon, il s'est tiré tout seul, c'est bien. Qu'est-ce qu'il a fabriqué?
il en a eu marre, il vient me voir. Qu'est-ce que tu fais? Il faut le tuer, c'est tout. Non, non. Oh, il m'a fait tellement mal. Oh là. Ça va, t'as des plats. Oui, c'est vrai. Alors, est-ce que j'ai moyen, avant d'y aller, de prendre un équipement qui est meilleur? Non, pas du tout. Donc, si, pour ça, l'instant... attends, ça, on est dans le feu, donc la glace, c'est très bien. Ah bah oui, techniquement, oui. J'ai hâte, quand on va tomber sur un stalfo, enfin, un truc qui soit bien costaud. Allez, niveau suivant, on y va, on y croit. Un inox, genre énorme. Ah, trop bon, t'as des flèches de glace. Voilà. Tire-les. Tire-les sur eux. Oui, attends, je vais aller me mettre à l'abri, là-haut. Non, tue-le, lui, avant. Il court, mon petit Jean-Mi. Je ne peux pas réussir à l'avoir. Avance. Ne t'inquiète pas. Ils vont sortir de la grotte, les autres. J'ai pas envie qu'ils me voient. Voilà, il est mort. Maintenant, tu prends ta baguette. Ça marche très, très bien. En plus, c'est une baguette météore. Jette un bras, là. Voilà. Et il y a quoi dedans? Oh, magique. Magique. Ils ne m'ont pas vu, en plus. Tu tires des flèches de glace sur eux. Hein. En hauteur, vas-y, vas-y. Et aussi? Feu! C'est bon. Oh, merde, 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 merde. J'ai pas réussi, il était en train de tourner. Il était en train de tournoyer. Il était en train de tournoyer, j'ai rien pu faire. Est-ce que j'ai pas un truc meilleur? Bah prends la flamme maintenant. Il est fini. Ça y est, j'ai fini. Je me suis juste fait douiller ce niveau. Ah là là, tellement... La panique et la panique. Non mais c'est horrible, j'aurais pu éviter ça, c'est nul. Ah, prends le marteau, c'est cool, tu vas pouvoir casser des choses. Ouais, attends, je vais jeter les choses qui me servent à rien. De 6, là. Oh, je prends feu. Mais non. Si, je suis en... C'est quoi qui prend feu? Mais non, c'est les trucs que tu as achetés. Ah oui, Alika, c'est les trucs que tu as achetés. J'ai eu peur. La prochaine, on va rire. Et j'ai hâte de te voir. Pourquoi j'ai la manette? C'est parce que pour l'instant, je suis quand même... Oui, c'est vrai. Non, on va pas dire. Voilà, là, on est drôle. Là, je... Bon, bah là, tu sais faire mieux que moi pour l'arc. On a bien les flèches de glace, j'en ai plus qu'une. C'est pas grave. Il suffit de bien viser, n'est-ce pas? Il suffit de ralentir. Au moins il est mort. Au moins il est mort. Il y a un coffre au milieu. Faudra aller chercher. Après. Pourquoi tu vas pas dire, tu vas pas d'abord sur le rocher pour éviter de te stresser? Et pour récupérer ça. Voilà. Moi je t'invite très fortement d'ici à essayer de lui tirer dans la tête. C'est pas grave. Oui, t'as pas vu. Il est loin, il est loin. Vas-y. Allez! T'es pas dans sa tête là? Ah si, bien joué. Il est mort. Vas-y, essaye de leur balancer des bombes. Ouais, de toute façon là je vais accoster la Lille, on est d'accord. Oui, vas-y. T'ont pas vu. Vas-y, sors sur la droite, sur la gauche, essaie de lui mettre dans la tête là maintenant. Là, bah, de là. L'exemple, c'est beau. Il est pas tombé. M'a-t-il vu? M'a-t-il pas vu? Il t'a pas vu. Il m'a pas vu. Oh, si, m'a vu. Une bombe. Oh, putain. Oh non, mais je suis trop bête. C'est pas possible. Moi, j'ai rien dit. Ah, oh, c'est exceptionnel. Non, mais après c'est vrai que quand on a l'habitude de... Bah voilà, ouais, au fait. Allez, putain, putain. Ça y est, il est mort.
Oh mais non, j'ai Donc, encore survécu. Pas le coffre au milieu. J'ai survécu un niveau de plus. Allez, on y va. Stresse pas, ça va bien se passer. C'est pas moi qui joue, moi je commence. Alors là, je vois aucun le cas est actuellement mal barré. Oh, c'est beau un arc au rock. Un quoi? Enfin, un arc au rock, tu vois, c'est le terme. C'est. Y'a le cryo rock. Lavo rock. Un magma rock. Alors, tu peux lui casser les bras avec des bombes. C'est ce que j'ai fait d'ailleurs. Comment je fais pour monter sur lui? Il est brûlant. Alors, okay. Bon, c'est pas bien méchant, mais... Il peut le casser, ça. Feu! Oh feu! Mais j'ai fait! J'arrive pas à le viser! J'arrive pas du tout à le viser! J'arrive pas du tout à le viser. Ça a marché, rien. Mais... Pff, beaucoup trop peu, quoi. Voilà. Bon, bah, ce sera sur une non-victoire toujours, hein, Dalika. C'était dur. On va faire une... On va faire un break dans la vidéo. Ouais. Et on va vous reprendre sur les parties d'après. D'accord? Ouais. Voilà. Parce que là, elle stresse. Allez. Et on va... Nous, on va le faire de notre côté et on va reprendre après quand on y est. C'est ça. À plus tard. Hey. Bon, heureux tout le monde. Bon, j'ai repris la manette, parce que forcément, Alita est morte, mais bon, comme moi j'avais repéré tout son terrain, c'était plus facile, donc là on est revenu au Magma Rock. La méthode, en fait, elle n'était pas si compliquée que ça. Moi, le je connaissais Rock, par exemple qu'il craignait la glace, tout ça. Enfin, oui, c'est du feu, il craint la glace, mais ça le... quand on frappe avec une épée ou quoi que ce soit de glace sur son torse, il refroidit, donc après on peut monter dessus et directement taper à la masse comme un gros bourrin. Sinon, vous avez une autre technique... vous voyez les courants d'air qui sont au fond, bah en fait on peut faire du bullet time avec l'arc, donc en fait si vous n'avez pas l'épée de glace, il y a eu un souci ou quoi que ce soit, si vous avez des flèches de glace, bullet time, vous tirez une flèche directement sur la pierre, il tombe, vous prenez l'épée de glace, bah pareil, vous le congelez, ou une flèche de glace, vous montez dessus et vous tapez comme un bourrin, et bah il tombe très vite en fait, puisque j'ai, voilà, j'ai pas perdu grand chose avec lui. Il l'a fait en 2 secondes alors que moi j'ai galéré, je suis morte. Et là, du coup, bah, on va passer à la suite de et cette ça épreuve. Va être la débandade dans les gorges. Donc là, nous ne savons plus ce qui se passe. Moment de réflexion. Ça va être Mufasa. Ah, mais regarde, c'est le repos. Oui, bah, c'est oui, c'est ça, c'est le repos. Ça veut dire qu'après, je vais me faire tuer par des linelles ou des trucs. Non, on n'a pas eu grand chose. Pire. Ouais, ouais, on bien a sûr. On n'a pas eu grand chose avant, en fait, j'ai l'impression. Oh, il y a des piments. Il va y avoir la glace. C'est bon. Ça annonce immédiatement. Donc, c'est vrai, quand vous en découvrez le truc, bah, forcément, ça. Si vous n'avez pas essayé le Season Pass là-dessus... Ah, on l'a perdu. Au revoir, petite fée. Oh non, c'est pas vrai. Adieu, la petite fée. Tant pis. Oh non. Parce que nous sommes des warriors. Voilà, oh non, c'est tout. C'est comme ça. C'est bon, ça, c'est bon. Fallait c'est y aller bon. Doucement. Mais on s'en fout, ça passe. Maintenant, on a la tenuque. On a la tenuque, comme les eunuques, mais avec la tenue qui va avec. Brise Rock. Ok, qu'on peut pas prendre. Ouais, enfin, un Brise Rock à 42, tu vas le prendre. Oh la fée, je suis dégoûtée. Oh là là. Ouais. Bon, ça va, moi j'ai fait pareil à l'épreuve numéro 2. C'est, et... pas, toi qui... c'est pas toi qui joue, c'est moi. Vrai. Tant pis. C'est moi qui vais devoir te refaire si tu meurs. C'est... Mais je ne vais pas mourir, je suis trop bon. Mais s'il te plaît, finis cette épreuve. Mais non. Allez, on prend le Brise Rock. Et là, est-ce qu'on va avoir un pantalon? Ok. Ouh là là, ouh là 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 là. Ça sent le gardien. Ça pue. Ah, oh, il y a une autre fée. Il y a une autre petite fée. Je vais mettre ma tenue lilienne hein, quand même, parce que ça serait cool. Voilà. C'est pour le froid en fait, je pense. Je sais pas, mais on y va. Allez, c'est parti. Et là pour maintenant, cette dernière étape. Ça sent soit le linel, soit sent le linel, hein, à plein nez. Mais comme on a des flèches archéoniques, je m'en fous. Mmh. Ah, je m'en fous. C'est bien. Soyons parce que honnêtes. Pendant... Bah, t'as raison, c'est dans le froid. Oh là là. Putain, les mecs, ils lâchent rien. C'est ardu parce que ça veut dire qu'il faut vraiment se dépêcher. C'est bien parce qu'on a des, on a une, t'as une, pardon, une hallebarde de feu. Merci de me le dire. Tout de suite. Et une baguette de feu aussi.
Oh là là, mais dis donc. Mais il est résistant, lui. Mais aussi bien, ils vont me donner plein d'armes. Oh là là. Bon, on a pas le temps de niaiser, là, parce que il fait froid. Est-ce qu'il va te tirer dessus? Mais oui. Attends. Fais gaffe, il tire dessus, l'autre. C'est pas grave. On est des malades. Il te donne rien du tout. C'est pas grave, faut les tuer. Maintenant, alors, on tente l'approche subliminale. C'est un bleu. Dégage. Allez. Enflamme-toi. C'est pas fini, il y avait des cailloux, tu sais, des... Il en reste un, ouais. Il me reste un mini cryo-rock, nous dirons. Ah, t'as une... Bref, tu ramasseras à la fin. Il était tout feu, tout flamme. Voilà. Il y avait quoi? T'as pas mal d'armes à ramasser. Oui, mais j'ai plus de place et on a des très bonnes armes. Donc là, les baguettes et tout, je suis pas très, vois, très emballé pour ça. Là où c'est très cool, c'est que, regarde, tu dis, ils t'ont pas donné grand-chose. T'as un feu... Avec une arme de glace. Vrai. Donc ça veut dire que si dans les caisses t'as d'autres choses à cuisiner, tu peux les cuisiner. Brochette à 10 cœurs, très bien. C'est pas mal. On regarde s'il y a des flèches à ramasser, des choses. Non, moi je pas, j'ai plus peur. Ah oui, c'est vrai qu'on est limité dans le temps. On est limité dans le temps. J'ai deux trucs pour l'anti-glace, mais pas plus. Donc il va falloir un tout petit peu serrer les fesses. Voilà, soyons honnêtes. Il va falloir serrer les fesses. Boum. Allez. Lui, c'est un truc de glace, donc si tu voles... T'as des flèches de feu aussi. Toi qui aimes bien les flèches. Ah oui. Jean-Mi. C'est bon, ça. Ah. Il va te cracher dessus, je sens. Ah, j'en étais sûre. Mais au moins, tu... Ah, putain. Ah, on n'a pas de défense, donc on douille très, très vite. Qu'est-ce que c'est que ce gros truc gelé, là? Donc ça, c'est pour faire le feu. Il doit y avoir quelque chose en haut. Il y a un autre derrière. Oui, bien, bien méchant. Franchement, ils y vont. Oh, il y a un autre. Il se perturbe pas. Quoi? Et qu'est-ce qui se passe? Ah, du coup, tu lui brûles son équipement, c'est rigolo. Je crois que tu les as tous, celui-là. Non. Sinon, on aurait eu l'effet. Ouais. Faut juste... Effectivement, j'ai l'impression que dans celui-ci, il faut y aller... Oh, putain, on file que des flèches de glace. Il est où, le dernier? Ça fait fondre? Non. Bah non, super. Il est en haut alors, à l'étage supérieur, je pense. On va repasser en... Oh bah non. Hop, pif, paf, pouf. Ah. C'est pas qu'on peut cuisiner dans lui. Je sais pas, non. Oh, flèche de glace. Il est blanc. Il est hyper puissant. C'est bien ça, c'est bon ça. Balance un truc de qui explose. Ouais. Il est à côté, regarde. Enfin, c'est peut-être pas une bonne idée, hein, mais. Te fais pas exploser avec. Oh merde, je suis désolée. C'est ma faute. C'est pas grave. C'était un très mauvais plan. Je suis pas forcément de très bons conseils. C'est pas grave. On va prendre le full. Ok, en même temps c'est de ma faute parce que j'ai pas pris un truc vraiment qui aurait pu m'aider. Attention. Oui, c'est vrai que. Mais il est costaud celui-là. Ouais, les skis. Hop là, allez, on déclenche les attaques. C'était pas un bon choix. Méchant. Est-ce que je pourrais utiliser une autre technique plus forte encore que ça? Une technique de loin, une baguette de feu, je sais pas. Non, non, on va le congeler. Putain, il est dur, la vache. La vache, il est dur. Il t'a oublié. Oui, mais il vient de prendre full face. Ah! Va-t'en! Au revoir! Il revient encore. Bon, celui-là, faut pas y aller en brutasse, tu vas doucement. Tu as limite mets une bombe là, il va remonter. Non, il t'a oublié? Oui, apparemment. J'ai de la chance. Ils ont des mémoires alors, de poisson. Il m'a vu. Il est où l'escalier? Ouais, là, ça me paraît bien. Non, il t'a encore oublié, c'est un truc de dingue.
Je crois qu'il cherche comment monter en fait. Ah non. Non, il arrive. C'est bon. Bah au moins je récupérerai une batte. Ouais, dis donc, celui-là, il nous a donné du fil à retordre. Mm. Aïe, aïe, aïe. J'aurais pu jeter cette batte, en fait. Ouais, bah tu peux l'acheter. T'as une branche de feuilles, je veux dire. Une branche d'arbre, t'as remarqué ? Ouais, super, c'est très utile. C'est la meilleure arme du jeu, est là. Donc voilà. Du coup, on a fini, là. Ouais, alors est-ce que tu veux faire fondre les trucs ou tu t'en vas direct ? Moi, je vais m'en aller. D'accord. J'ai pris la décision. Il est en bas, le truc, pour t'en aller. Ah mince. Mais tu crois pas qu'on peut avoir des armes cool, quand même ? Je sais pas ce qu'il y a et j'avoue que... T'as peur du temps ? J'ai peur du temps parce qu'il me reste que 4 minutes et il faut quand même enchaîner. Ils sont où le support, tu m'as dit ? En bas, c'était en bas. Ah bon ? Oui, il brillait en bas. D'accord. D'accord, bah il est bon, Jean-Mi, il est bon. Où ça ? En bas. Ah oui, bas. Là. Moi, je passe à la suite. Alors ? On va voir si on va regretter ça ou pas. Mais non, tout passe. Alors, là, tu peux te protéger. Ah oh oui, niveau 15. Très bien. J'espère qu'il n'y en a que 17, comme dans l'autre. Mais à mon avis, il y en a un peu... Ouh, lui. Ok, d'accord. Alors, technique. Il faut réussir à le choper. Le problème, c'est que si je le chope là... Oui. Bonne technique. Tu l'as pas eu ? Ah si. Vous ne m'avez pas vu. On va se cacher, on va se cacher. Vu. Personne ne m'a vu. C'est à instant précis. Personne ne m'a vu. Je repars. Tu veux faire pareil ? Ouais, on va refaire la technique partout pareil. Pourquoi pas ? Avec des flèches de feu aussi ? La seule truc, c'est qu'en fait, on pourrait peut-être tout petit peu, parce que je vois qu'il y a du blanc. Je vais tenter un truc qui est complètement bête. Garde-le. Franchement, j'aurais pas fait ça. On a peut-être un linel après, tu veux quoi ? Bon, ça marche très bien. Ah, ça marche que sur les blancs, les... Bah apparemment, en tout cas, ça a très bien marché. Ouais, j'avoue. Flèche électrique, pourquoi pas ? Ou de feu ? Oui, 91 flèches normales, c'est bien aussi. T'as d'autres poteaux, hein, si tu souhaites d'ailleurs, pour te mettre. Oui, oui, oui ! Mais on va essayer d'être intelligent. Boum ! T'en auras des flèches à récupérer par terre, disons. Oui, mais bon. Plus qu'un. Ouais. C'est pas ça que je veux, du coup. Hop, tac, tac, tac. On passe à la vite fait. Ah. Ouais, hallebarde de chevalier, forcément, on comprend. L'épée de chevalier, je vais me gêner de la prendre. On va enlever des os. On va acheter des bras. Il y a un truc qui la batte, elle va casser. Je veux l'acheter, en fait, sur quelqu'un. Bah, sur lui, là. Bah, tiens, ouais. Arc de chevalier. Attends. Ah. Où est cette batte clignotante folle ? Elle est là. On va tenter. T'aurais pas oublié de récupérer. Il y a un super arc aussi là. Faudrait oui, que tu mais... récupères. Attendez. Il va te geler, fais gaffe. Oui, oui, j'ai remarqué. Sauf mais si moi tu aussi. Tu geles d'abord. Aha! Prends-moi ma baguette. Non, et on va même faire mieux. On va le désarmer tout de suite. Hop. Ça, c'est bien joué. À moi. Et attends, il va récupérer ton os. Bah non, il est mort. Ah non ? Merde. Wouhou ! Fait froid. On y va. Hop. Niveau bon, je vous le dis, là on y va à l'impro un peu, on speed hein, pour le faire. Non, j'espère, j'espère que les deux prochains niveaux, il n'y a genre pas 10 gardiens. Alors là tu as... Déjà on a un cryo rock. Oui. Je suis dégoûté. Non allez, tu t'en es très bien sorti tout à l'heure, niveau 16. Dégèle les trucs autour parce que non, c'est non, il n'y a pas besoin. Si, c'est des trucs pour on t'envoler. On est des fous non, à la baguette. Non, non, s'il te plaît, fais pas le con, Chambi. Hein ? Tu vas peut-être regretter ton geste, hein, parce que là tu y vas à l'arrache, faut pas y aller comme un brutas, tu le sais. Hein. Ou
Bon, ça va, ça t'explose pas la figure. Hein. Allez, tombe, vas-y. Si t'as une super arme pour le défoncer, ce serait très bien. Pardon pour ma vulgarité. Bah voilà! Ça marche très très bien, on va y aller très vite. Regardez bien la technique. Ah, bon. Ouh, hop, c'est pas grave. On recommence tout de suite la technique. Il va exploser en gelée. Il manque un bras en plus, c'est le moment. Je crois que tu l'as refroidi. Très bien. Notre ami. Tac. Et c'est fini. Plié. Allez, voilà, merci. On va rentrer chez mémé maintenant. Hein. C'est-à-dire que, hein, on n'a pas que ça à faire, on est bon ou on ne l'est pas forcément. Heureusement, il y a Jean-Mi. Je veux dire, épreuve extrême de force, quoi. Je veux dire, où est le challenge? Ah, des années de la chance. Ou t'as froid. Vite, ouais, on va vite faire manger ce qu'il faut. Hop, tac, manger. Le tout sans pratiquement pas perdre de vie. Hein. Ok, bon, maintenant tu passes direct ou tu vas fouiller un peu quand même? Je fouille rien du tout. Très bien. Les deux prochains... Non, le prochain... Ah ouais, non. Là, on va... Je pense qu'on va monter... Non, je pense qu'on va avoir un lumière. Ok, là, on se calme, on y va tranquillou. Mais non, ça va être très facile. Ok, très bien. Aucun problème. Quoi? Et voilà, gagné. Quoi? Hop, ça c'est fait. J'avais pas que ça à faire, on gagne. Hein. Non, mais vous avez vu ça? C'est mais pratique. Non. Mais si. Voilà. Mais t'as cassé le jeu. Et ben voilà. Oh non, j'en reviens pas. J'en reviens pas. On peut même se permettre en 12 minutes de voir s'il n'y a pas un coffre caché. Attends, il y a peut-être autre chose, c'est que le niveau 17. Oui. C'est pas grave. On est bon, on ne l'est pas. Je pense que c'est le dernier en vrai. J'espère. Parce que sinon... Mais non, parce qu'ils ont forcément... Ah tiens, déjà le salaire. Ils ont forcément su qu'il y aurait des petits malins comme toi qui feraient ça. Mais c'est un truc de dingue, j'aurais jamais pensé à faire ça. Bah si, tôt ou tard, on essaye. Une épée chaude, évidemment. Bah, ou la baguette, ça marche? Oui, je pense. Vous croyez qu'on a fini? Non, je pense pas, parce que 17 niveaux, c'est ce que j'avais la dernière fois. Ah, en cuisine! Petite pause, avant les choses sérieuses. Non. La fée, il y a 3 fées, tu vas doucement, s'il te plaît, tu me fais plaisir de les récupérer toutes. Mais non, y a 3 on n'a pas besoin des fées. 3 fées. Les fées, c'est pour les... Les fées, honnêtement. C'est surfait. C'est surfait, les fées. Doucement, doucement, fais pas le con. Qui? Attends qu'elle revienne vers toi. Qui? Elle vient pas. Bon, on va prendre une autre si tu veux en attendant. Mais non, elle arrive. Patience, tout va bien, on a le temps. Doucement. Ça veut dire qu'on a encore 5 niveaux à faire. Oui. Clairement. Voilà ce qui est annoncé. Dans le dernier, on aura un mélange de gardiens, de linel, de... Ah, là, ils vont me donner 70 flèches archéoniques. Non, franchement, le coup du nel, tu m'as scotché. Hein. Bah, c'est pratique, hein. Créé. Franchement, je connaissais pas cette astuce, c'est dingue. Ouais. Tu vois le truc, tu dis, oh mon dieu, comment je vais faire? Et bim. Ah, elle a failli s'enfuir. C'est bon, ça. Donc... Les coffres. J'ai envie de savoir ce qu'il y a dans les coffres. Ouais, j'espère qu'il y a de la flèche archéonique, on va bien se marrer. Il y a une épée royale qu'on garde. Il y a Jean-Mi qui gargouille. Ah non, c'est pas dans le coffre. Un bouclier royal. Mais on a encore notre super bouclier à 70. Franchement, je pense que le combat du linel, à mon avis, il y a des gens qui doivent se le tenter et du coup, c'est très chaud. T'as pas assez de place, pourquoi? Pour un arc. Donc bah, on va jeter un vieil arc. On a des arcs tout pourris. Le 12. Le jeter. Il y en a un 24. Non, on qui sait va jamais. Voilà, c'est 24 jeté. On va prendre ça. Alors par contre, les cuisines. Si, cuisine. Oui, mais cuisiner quoi? Bah, tu vas voir. Allez, cette fois c'est la ligne finale, c'est la dernière ligne droite. Je foire. Ah non, tu peux pas. Et bon, on coupe la vidéo et on revient pas. Voilà. Je le dis. Ah, les gardiens. T'as des boucliers? Ou sinon, une flèche archéonique, ça suffit aussi. Oui, mais c'est ça le problème. Oui, après, il y a d'autres niveaux. Réveille-en qu'un à la fois, si tu peux. Si tu peux.
Attends. Ah non, de Dieu. Eh bah, on est content du voyage tout de suite, hein, d'en avoir un de bouclier. C'est pareil. Eh bah non. Ouais, je te dis, c'est chaud. T'as plus de bouclier ici, quand même. Trop bien. Restons calmes. Tu peux, tu te fous. Il faut que je m'approche. Mais comment ça se fait que t'arrives pas, t'arrives toujours? Tu vas en réveiller un autre. Ah, oh, vous avez raison, si on va t'en pas. Tu réveilles un deuxième, c'est moi. Ah, peut-être dans la cune, d'accord. Peut-être qu'on a. Ouais, on va peut-être regretter ce geste. Mais... C'est pas grave. J'ai plus peur. On en a 12. Si on en a pas d'autres. Oh putain. Vas-y, un seul, ça suffit. Allez, vas-y, tu peux le faire. Tu sais le faire, ça. Yeah! Alors ça! Bravo. Bravo, bravo. Il m'en reste combien, là? Deux. Il te reste deux gardiens, dont un qui vient de se réveiller. Pardon. Oh merde. C'est pour ça que t'as eu plein de boucliers, c'est je comprends mieux. Regarde, tu t'occupes de ce feu. Alors, je vous le dis tout de suite, je pense que je ne vais pas vivre le niveau entièrement. Clairement, ouais, c'est tendu. Mal. C'est tendu. Je suis très tendu. Très mal. Mange. Protège-toi. Prendre la défense, parce que finalement l'attaque, bon. Mais qu'est-ce qui s'est passé? On n'aurait pas pu mieux se préparer, on n'avait pas 10 000 fiches arcaniques de toute façon. Prendre la défense. Ah, tu veux manger ça aussi? Mais elle est nulle cette brochette. Cette brochette est nulle. Et la défense, non? Ou du vent? Ouais, non, ça sert à rien. Bien. Yeah! Ah, j'aime bien quand ça se déroule comme ça. La classe, hein. Franchement, j'espère chaud, qu'il y a... Chaud, cacahuète. J'espère vraiment qu'il n'y a pas 10 000 niveaux derrière, quand même. Parce que bon, c'est un peu tendu. Surtout qu'il te donne rien. Je vais voir s'il n'y a pas des coffres cachés, surtout. Il te donne parce que les contres, sont... c'est une chose. Faut pas trop pousser non plus, quoi. Mon Dieu, j'espère qu'on n'a pas que des gardiens partout, tout le temps. Après, tu vas voir la même chose, mais avec les gardiens qui marchent. Je pense que le dernier est un gardien qui marche. Non, le dernier, tu déconnes. On aura plusieurs. Il n'y en aura pas qu'un. Non, c'est bon. Allez, il reste un niveau. Ça va être un linel qui marche, gardien. Voilà, un linel qui pousse avec des pattes de gardien. Quoi? Ah non, ça se trouve, ça va. Il était mi-gardien, mi-linel, re-gardien derrière. Alors, il y a un gardien là-bas. Donc, il y a un gardien marcheur. Et des poneys. C'est génial. Tu peux te cacher, il y a un endroit où tu peux te cacher. Donc je pense que ça... Alors, voyons voir stratégiquement qu'est-ce qu'ils attendent de nous ici. Pourquoi on a une fontaine en plein milieu du truc? C'est pour se cacher? En fait, ouais, t'as qu'un seul gardien et il marche. En fait, si tu fais bien tes contres, t'as vraiment moyen que ça aille vite. Si tu te foires tes contres, on est mal. Merci de me le rappeler. Merci. Ça y est, t'as vu. Pourquoi des flèches? Pourquoi une zone des flèches? Complètement débile. Ah oui, c'est pour te cacher si t'es un peu mal. Mais franchement, ils nous ont rien donné d'archéonique. On avait une flèche. Ah, il arrive. Ah, quoi que ça l'étourdit aussi de faire ça. T'as pas tort. Mais arrête. Oh putain, qu'est-ce qu'il fait? Ça l'étourdit et tu peux le taper après. Qu'est-ce qu'il fait? Mais il galère le truc, tu vois, ça l'étourdit. Quand il te vise. Ça lui fait pas beaucoup de dégâts, mais ça l'étourdit un peu. Oh, tu as moyen de te le vaincre comme ça. Hein. Si t'arrives à faire que des one-shot dans l'œil. Eh. Hey.
C'est pas loyal hein, de jouer comme ça, avouons-le quand même. Tu veux que je te rappelle comment j'ai tué mon inox en squelette tout à l'heure? Oui, qu'on a réutilisé après. Oh, change d'arc. Sur celui de fin. Non, non. C'est fini. Bah, remets un arc quand même, parce que pour la prochaine fois. Eh ben, ça, c'est ce qui s'appelle une affaire rondement menée. Ah oui, 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 oui. Voilà. Sans cheval. Bah, moi, franchement, le cheval, je voyais pas l'utilité. Pour moi, c'était bourbier. Le cheval, c'était bourbier. Alors, vous avez bien caché des choses, quand même. Et tu crois que si tu tues le cheval, ça te fait de la viande? Non, je suis méchante. Non, non, il meurt juste. Même les arbres, ça sert à rien contre un... Il y a peut-être des choses cachées. Prends le temps de regarder. Bah, on n'est pas dans le froid, on n'est pas dans le... Prends le temps de faire le tour. Je pense que là, sur la fin, ils vont pas nous faire de cadeaux, mais quand même. J'aime bien, ils nous avaient prévu ce beau gros espace pour battre le... Le prochain, c'est 3 sentinelles. Ouais. Tu sais, t'avais imaginé un combat sur un grand espace à cheval, et nous, non, on est resté derrière une statue à tirer des flèches comme ça. Ouais, oui, hein. Quelque chose d'héroïque et d'épique, ça se trouve. Okay. Je suis en train de faire le terrain pour entendre dire à la fin... Non, il n'y a rien. L'héroïsme à l'état pur. Bah non, il n'y a rien. Et puis bon, les chevaux, bah, ça les a pas perturbés plus que ça non plus. Non, oh, mais sans stress. Donc ça, c'était niveau 20. Nous passons au niveau 21. Une petite respiration, Jean-Mi. Non. Et c'est parti. Mais non. Mais non, mais non, mais non, mais non. Je ne m'inquiète de rien. Poussez-moi, excusez-vous. Comme non, le passe, on ne passe bien. Pas l'arrivée parce que ça nous permet de regarder le terrain. Moi, j'aime bien. Ah, bah voilà. Alors là... Là, je me marre moins, là. Là, autant te dire que tu vas te cacher derrière. Il n'y en a qu'un seul. Cache-toi derrière et par contre, là, t'es obligé de faire du contre. À quoi que tu peux faire de l'épée aussi. De la flèche. Il va vite, ce con. Cache-toi et fais de la flèche, si tu peux. Et sinon, bah, tu feras du... Oh, on est là. Peut-être quand il te vise, je sais pas. Est-ce, continue de... Est-ce que tu peux monter là-haut? Oui, bien sûr qu'on peut. Tu veux pas? Non, je vais essayer de la jouer encore vicieux comme l'autre fois. Aïe, t'as vu? Bien. C'est un peu plus chaud, mais ça se fait. Finalement, c'est une tête tournante, donc bon. Oui, il arrive pas. Oh! Il tire quand même. Oh putain. Oh, t'es bien derrière ton poteau, hein. Oh la vache. Oh ouais, faut y aller au bouclier, là, non? Le problème, c'est que j'ai peur au bouclier, parce que si je prends trop de dégâts, ouais, je vais super morfler. Bon, bah alors, on réfléchit à une autre manière vicieuse de faire. Qu'est-ce que t'as comme flèche? T'as autre chose que des flèches de... On va y aller au bouclier. Ok. Voilà. C'est la contradiction. C'est la fin. C'est la fin. Peut-être qu'il y a des endroits où il y aura des flèches, je sais pas. J'ai l'impression qu'il tire plusieurs trucs en plus d'affilée. Voilà. Effectivement. Ça passait pas. On va manger au cas où, hein. Tu vas enlever ta défense. Ah non, c'est pas... Bon. Au purée. Voilà. Tu peux te les faire d'en haut, tu crois? Il y a forcément une manière moins brutasse de... Oh! Tu crois que t'as des flèches archéoniques là-dedans? Oui, c'est pour ça que j'y vais. Je vous jure que s'il y a une flèche archéonique, on est bon. Si on a pas, on est mal. Et là, on me donne un cœur. Une banane. Explosive. Oh là là. Bah, fais-le par au-dessus, en fait. Peut-être, parce que finalement, il peut pas te viser quand t'es au-dessus de lui. Ah, peut-être. Je pense qu'il faut faire comme ça. Oh, il va vite. Oh là là. Il va falloir les anticiper, hein, les flèches explosives.
ça marche bien, ma foi. Je pense que tu peux faire comme ça. Prudence et mère de sûreté. Mais t'as pas vu quand même. Non, c'est bon, recule. Ça me fait peur. Ça me fait peur. Il se dit, mais il est où? Mais il est où? Il me tire dessus, il est où? Franchement, on reste au-dessus, hein. Sérieux, moi je redescends. T'as remarqué qu'en fait, je suis en train de casser les rotors? Non, j'avais pas fait gaffe, mais c'est une très bonne idée ce que tu fais avec là. Mais c'est génial ce que t'as fait. Du coup, c'est juste un petit gardien avec moi maintenant. Un peu de visée. Oh putain! Bah maintenant qui est paralysé. Ça c'est bien. J'avais jamais... Oh il a la tête vers le bas en plus. Électrique? Non, je sais pas ce qu'on a appris, remarque. Bah je pense que c'est le dernier qu'on va avoir. Mais j'espère mais je sais pas. Ça lui fait rien. Non le pauvre, il me fait de la peine. Le regard vicieux de Jean-Mi. Regarde-le, il souffre, il a l'agonie. Mais c'était une très bonne idée ce que t'as fait, j'aurais pas pensé. Encore une fois, j'aurais pas pensé. Non mais moi, c'est que c'est par pur hasard, je viens de voir que le rotor a explosé, en fait, c'est tout. Il vous fait pas de la peine, franchement, moi, il me moi, fait non. De la peine. Ah, ça y est, il est mort. Non, on tire pas, c'est bon. T'iras chercher tes flèches, t'iras chercher tout ce qu'il faut. Oh mon dieu. Est-ce que c'était le dernier? Est-ce le dernier? Ça serait beau. Franchement, au bout de deux niveaux, parce qu'on en a eu que deux, hein, final. Je sais pas. On t'a pas parlé d'un duel inel, toi? Non, ça te dit rien. Oui, mais j'ai plus de flèche archéonique. Hein. Ah oui. J'ai plus de vie, j'ai plus rien. Vas-y, tape. Peut-être qu'on va en avoir. Des flèches en bois. Youpi. Des flèches en bois. Youpi. Ah non, ouais, non. Si c'est un linel, on est mal. Si c'est un linel, je suis très, très mal. Si c'est un linel, très mal. Non, mais ça va bien se passer. Bon, allez. Ah, c'est un peu plus long à charger que la norme. Mal. Bien. Va te cacher. Bien. La même technique pour l'autre, tu là-bas. Là-bas. Là-bas, oui. j'ai plus rien à manger. Cache-toi là, furtif de fou. Furtif de folie. Mais c'est quoi ce niveau? Mais comment tu veux qu'on l'abatte, lui? Clairement, faut monter dans la tour, mais il est hyper bas, le machin. Franchement, je sais pas par lequel commencer. Bon, pas lui. Je sais pas, franchement. Bah... Oh là là là. Ça y est, t'as vu? Si seulement tu pouvais l'avoir oublié, ce serait cool. T'as plus beaucoup de vie, mais t'as plein à manger, donc retour. Allez. Trois fois et c'est bon. Allez, celui c'est bon. Et 2-1. Ouh, et 2-1. Maintenant, lui, je pense qu'il faut vraiment l'abattre comme t'as fait tout à l'heure. Comment? Le problème, c'est que j'ai plus de flèches explosives. C'était avec les flèches explosives que t'as. Et voilà, et je peux pas monter sur la. Oh, il y en a un autre là-haut. Parfait. Donc, on va tenter. Ah, il y a un coffre, attendez. C'est le moment d'utiliser la ruse. C'est quoi son pattern? Le pattern de passage? Bah, c'est là. D'accord, donc maintenant on y va. Il y a encore des chevaux, mais qu'est-ce qu'ils ont avec les chevaux? Foutez-leur la paix. Je pense que les chevaux, ça nous aide vraiment pour battre les gardiens. Parce que tu vas plus vite. Sûrement. Tu peux te planquer à l'intérieur, t'as vu? Va te planquer à l'intérieur. Alors, rien d'autre. Ah si, il y a un autre coffre, c'est bon. Ça. Petite flèche archéonique me ferait beaucoup plaisir. Un arc royal. Ah, ça peut! C'est mieux déjà. Je vais pouvoir faire beaucoup plus de dégâts. Mais ça ne m'aide pas. T'en as eu un. Je pense que tu l'as eu du premier coup, celui de la tour. T'en as un de 70 si tu veux. Tu
l'as pas eu du premier coup, mon dieu. On commence à être tendu. Allez, et de 1. Allez, il nous reste un dernier. J'aimerais trouver des tonneaux avec autre chose que des flèches, des pommes et des noix de coco. Ça rime. Voilà. Je sais pas quoi dire, bon, alors, ni quoi faire, on va rigoler. Attends, on va se poser un moment, juste à réfléchir à une stratégie, quoi. Là, on y est presque à la fin, on va pas mourir pour ça. Il te reste 2 cœurs. Et une fée, ça et peut le fée. Faire. Ça tu peut veux le manger faire. Mange tes noix de coco et tes pommes. Mange tes noix de coco. Voilà. Ça m'a servi à rien du tout. Mais... Alors, je vais essayer de monter la tour. Oui, parce que du coup, elle est plus haute. Comme tu elle peux est peut-être plus... Je peux peut-être essayer de faire comme tout à l'heure. Ça m'a fait peur. Avant, il n'y aurait pas un petit quelque chose qui se cache quelque part, genre... Non. Bon, bah non. Alors, on y va. Le problème, c'est que j'ai... Oh putain, j'ai vraiment l'impression que c'est que au bouclier que tu peux les avoir, mais c'est tellement tendu le bouclier, parce que là, tu peux plus te prendre des coups, quoi. Si, si, c'est bon. Ça va y aller. Allez, on y va. Tu vas aux flèches, là, en fait. Hein. J'espère, mais en fait, le problème, c'est que je suis trop haut. Flèche de feu, ça peut le faire. Hein. Tu t'as tiré dessus? Bien sûr. La vache. Vous avoue que je ne sais plus quoi faire face à ce problème. Franchement, ouais, c'est un flèche explosif. t'as des bombes, mais elles vont pas assez loin. Non. Est-ce que tu peux le paralyser? Non, ça sert à rien. Par contre, ce que je peux essayer de faire... Bah, on fait du contre. Je vois que ça. Tu veux pas essayer de lui tirer dessus, hein? Allez, c'est le moment du contre. T'as pas pris de dégâts. Et t'as toujours une fée. Ça lui fait rien. Ah si, ça lui fait grave. Je suis mort sur, à mon avis, le dernier niveau face à ça. Sur ce, je vais rager dans mon coin. Ah, ça m'énerve. Je vous jure, je rigole, mais je... Oh mon dieu, ça m'énerve. En plus, c'est pas que c'est que peut-être le dernier c'était niveau. C'était sûrement le dernier niveau, le je dernier pense. Coup, parce Moins qu'il ne restait derniers. Pas grand-chose. Ouais. Ah, voilà. Non, sérieux. Bon. Bah écoutez, il est... Je vais légèrement m'acheter un nouveau gamepad dans pas longtemps, je vais l'éclater en miettes. Fera... Ah, les nerfs. On vous fera quand même... On vous fera la fin. Si non, 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 on fait pas la fin, moi je fais plus, ça m'énerve. Oh là là, je vous jure. Oh là, on... Oh, ce troll. Resalut, c'est Jean-Mi tout seul, parce que je suis un peu un acharné, donc je ne vais pas lâcher. Je suis donc, encore une fois... Donc 3 fois en tout on est mort. On va reprendre donc la dernière. Là, j'ai passé l'inter-niveau avec juste le gardien volant. Et là, on va attaquer celui terrestre, celui en tourelle et celui volant.
Alors, en croisant les doigts que cette fois ça se passe bien, je vais voir ce qu'il est possible de faire ou non. En tout cas, je vais essayer de vous faire rêver. Alors, petite astuce néanmoins, on va les faire un par un. Étant donné que pour moi, je trouve qu'en termes de facilité, celui, le nomade, donc le marcheur, c'est le plus facile parce qu'il met énormément de temps à nous localiser. Bon, ce que je vais faire en fait, c'est que j'ai quand même pas mal de flèches archéoniques. Cette fois, j'en ai 5. Voilà. Donc on va prier pour que tout se passe bien. On se fait loquer tout de suite. Et de 1. Sans problème, sans souci. Le 2, ça va se passer à peu près pareil. On y va. Tranquillement, tranquillement, tranquillement. On va le laisser passer devant nous. Il m'a pas vu, super. On va attendre qu'il repasse devant nous. En tout cas, je vais essayer de me mettre dans sa portée à lui. Pour qu'il nous voit. Là, il nous a vu. Allez, hop, en one shot lui aussi. C'est fait. Bon, il m'a pas vu du tout. Donc c'est une super nouvelle pour ça. J'espère que c'est le dernier niveau, honnêtement. Parce que ça va être cruel. Là, on sent que j'ai pas envie de me prendre la tête outre mesure. Il ne me voit pas. Boum ! Et voilà. Les trois sont faits. Ça passe easy. Donc voilà, j'espère qu'il n'y a pas d'autres niveaux. Parce que honnêtement, je vais pleurer sinon. Là quand même, faudrait pas abuser. Alors je sais qu'il y a des personnes qui utilisent les chevaux. Enfin, moi je trouve ça non. Plus compliqué qu'autre chose. Même avec le bullet time, je vois pas l'intérêt. Voilà. Hop. Alors voyons voir la suite. Ce qu'il en est. C'est sérieux. Est-ce que c'est complètement sérieux? Ouais, non, là, ça va devenir n'importe quoi, là. Je pense que ça va devenir réellement n'importe quoi. Je suis en train de me faire littéralement éclater. Voilà, donc là, je me fais totalement éclater. J'ai vraiment du mal sur ce point-là. Bon, sérieusement, on peut pas en toucher une. Ça commence à vraiment m'énerver. Cela, à part faire des techniques à 2 balles. C'est super, regardez, je vais encore prendre un coup. Voilà. Il n'y a aucune raison, mais j'en prends un. Encore un. Allez, tranquille. Voilà, j'y arrive pas du tout. C'est en train de m'énerver, mais sérieusement, parce que là, c'est n'importe quoi. Voilà. Boum. Ça, c'est fait. Bon, en espérant que maintenant... Non, il en reste encore.
Hop, un en moins. Encore un. Encore un. Allez, encore un. Voilà, c'était le dernier apparemment à pied. Maintenant, le problème, c'est qu'il va falloir que je gère la tour. Et c'est pas gagné. On va prendre de la vitesse. Si. Je vais augmenter ma vitesse un tout petit peu. Là, je vois que effectivement, elle nous cherche bien. Ce qu'il me faudrait, c'est que je puisse approcher sans qu'elle me voie trop. Oui, c'est beau. C'est très très beau, ça. C'est bien joué. C'est bien joué. Donc maintenant, on va être vicieux. C'est-à-dire que là, je vais m'amuser à monter. Prendre une arme qui fait bien mal. Et hop! On redescend et on va remonter. Et voilà, fini. Parfait. Parfait, parfait. Essayer de faire un tour quand même pour voir s'il n'y aurait pas des choses qui traînent. Là, je vois déjà qu'il y a un coffre qui traîne en fait, direct. Hop, on va aller lui faire un petit coucou. J'espère que c'est genre... des flèches. Explosives, bon, c'est déjà ça au moins. Alors, les flèches de bois là, on reste classique là-dessus. S'il y a un linel, encore, plus deux tours, dont un sentinelle qui marche, ça sert à rien de continuer, parce que je pense que je vais fortement douiller là. Et il faudra effectivement que je change de technique. Ah bah non! Ah bah non! On a fini! On a fini! Bon, et ben on se sent soulagé, je vous le dis tout de suite. Mais soulagé, hein. Alors, à monter, on va pas tomber, c'est pas le moment de chuter à la Jean-Miche. Hop. Ou elle est à Lika. Bon, elle est pas là, donc c'est pas grave. J'ai le droit de le dire. Oula, 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 on va s'approcher un peu trop du bord après. Oh, ça c'est beau par contre. Principe avec les 5 sages qui nous attendent. C'est super beau. J'enlève la cam pour que vous voyez clairement aussi ce qu'il en est. Mieux, hop. Je trouve ça super beau. Hop, on va se tester la petite animation. Bah, je vous le dis, ça, c'est le genre de choses. Je pense qu'on le fait une fois, on est fier de le faire. Mais après, on ne le fait plus. Tu as prouvé ta valeur. Il ne peut subsister aucun doute. Tu es bien un héros. Nous autres guides avons créé ces épreuves à la demande de la déesse Ilia. Je vous laisse lire aussi. Je
J'espère qu'il va faire comme A Link to the Past après, c'est-à-dire qu'on peut carrément balancer des attaques électriques, en tout cas d'énergie. Alors ça aurait été bien d'avoir sa tenue finale, parce que là, honnêtement, on fait un peu pouilleux, on fait pouilleux, faut dire ce qu'il y a. Oui, on va délivrer Hyrule. Du mal, oui. Allez, on va retirer l'épée. C'est Darty, mon kiki. Allez, vas-y Link, te foire pas. Ne rate pas pour une fois. Ça nous ferait plaisir, hein? Yeah! C'est la classe quand même, c'est la classe. Elle fait de la lumière la nuit. C'est la classe. Pour aller aux toilettes, il n'y a pas mieux. Je suis désolé, mais il faut dire ce qui est. Donc on va voir ce qu'il en est maintenant. Bon, en lisant un petit peu, donc on a 60. Par contre, j'espère qu'en gros, elle ne se cassera plus. Enfin, en tout cas, elle n'aura plus besoin de se régénérer. Ou en cas, elle sera peut-être diminuée au niveau du temps. Ça serait super cool. C'est magnifique. C'est une tenue qu'Alika avait choisie. Voilà. Oui, elle fait de la lumière, mais elle ne fait pas de bruit comme Star Wars. Oui, après une heure de jeu. Alors, la lame purificatrice Lérangère abrite en son sein un pouvoir sacré permettant d'affronter le fléau. Depuis que Link a triomphé des épreuves de l'épée, elle brille de mille feux. D'accord, je ne manquerai pas de t'observer dans la suite de tes aventures. Comme elle doit se réjouir. Hop, alors. On va aller dans la sacoche. On va aller s'habiller comme on aime. En tout cas, comme moi, je préfère. Alors, hop, hop, hop. Bon, un peu trop classique. En tout cas, le temps que je prenne le... Vu le temps que je vais prendre à choisir tout mon nouvel habillage, je vous souhaite une bonne continuation. À la prochaine. Et à très vite. Très très vite.